La raison pour laquelle je suis intéressée à m'engager dans le comité de Fribourg solidaire, une des raisons principales, je pense que c'est important de développer la solidarité entre les différentes populations, entre les différentes cultures. C'est important qu'on se connaisse mieux pour mieux se comprendre et pour être plus solidaires les uns des autres pour créer un monde plus juste. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans Fribourg solidaire, c'est toute cette collaboration qu'il y a sur la réflexion, comment on peut développer un projet, comment on peut amener les populations locales à leur autodétermination, à leur autogestion, à développer leur propre culture et leur propre richesse, leurs propres ressources, en lien avec la solidarité d'ici. Je pense que c'est important, même si ici on rencontre, surtout maintenant après le Covid, beaucoup de gens qui ont des difficultés, des gens qui ont plus de peine à donner le tour, à boucler la fin du mois, on dira. Je pense que c'est important de garder cette idée de solidarité entre les peuples si on veut vivre dans un monde juste. Dans quel sens travailler tôt, travailler tard le matin? Travailler tôt le matin ou... Alors on va dire moitié-moitié, puisqu'il faut de la solidarité entre les peuples. Donc il faut mélanger les bonnes choses. Oh là là, Facebook, on dira, mais de préférence, relations directes. J'aime bien la montagne, j'aime bien être en hauteur, j'aime bien avoir le soleil et puis voir très loin. Molaison. Ouh, alors ça, elfique, on dira, parce que je trouve que c'est un beau sport, le basket. Vélo. Saint-Nicolas. Je pense que c'est important d'avoir les deux. Je pense que si on est bien préparé, on peut improviser. Yann Marguet. Ciao bonne.